Christmas. Prochaine vidéo. Ah, je suis dans une console de jeu pour de sa tête, là. Manette Xbox One Elite. Là, il me dit que... Left button. Je vais peut-être parler au client, parce que... On va la tester. Two screen. On vient ici. Si je tourne ça... Oups, excusez-moi. On vient là. Tout marche. L'autre aussi. Tout fonctionne. Ça fonctionne. Je pèse ces boutons, ça fonctionne. Tout marche. Il y a des boutons en dessous aussi, hein, mais là je les ai pas. Ils sont pas là. C'est pas grave, là. Oups, je viens de voir que... Oh, je me suis commandé un nouveau fil, là. Mon fil d'André de Gaucher. Ah! Ça marche bon. Ça marche. Ça marche. La vibration maintenant. Tout fonctionne. Ou donc? Je vais y redemander là, pour être bien sûr, là, parce que je suis sûr. Là. C'est un confrère là, qui vend des matériels de jeux vidéo. Bon, je viens de parler avec le client. Là. C'est un cas rare que. Alex, ce bouton-là marche pas. Fait que, on va aller démonter ça. Ça a l'air que c'est rare, puis de temps à autre, des boutons marchent pas ici. Ça fait qu'on va aller démonter ça. Démonter les manettes élites. Faut être fait fort. Mais elle semble avoir déjà été démontée, celle-là. Fait que ça va peut-être être moins pire. De dessus, ça enlève. Mais c'est vraiment pas facile. Voilà. Faire quelque chose de raide. Sinon, elle s'enlève pas facilement. Et voilà. Là, il fallait dévisser ça. Vas-y. Pas de bon. C'est là? Non. On enlève ça. On enlève ça. Bien, ça s'est enlevé. Et voilà. Batterie, puis tout ça, c'est débarqué. Nous, c'est ça, là, ici. Il fait partie de... On va enlever ça. C'est enlevé. C'est ce bouton-là, ça a l'air qui fait défaut. Il est là. On va vous le montrer de plus proche. Là. C'est lui-là. C'est lui-là qui fait défaut. Fait que, bon, je vais démonter ça pour aller chercher ça. Ouais, la poisse est bonne. On vient sortir ça de là. Que les ambulances s'ennuient pas. Hein? Ouais.
Non. Lui, il était capable de sortir, par exemple. C'est des fils d'antenne. Bon. Next. C'est tout. Et voilà, voilà. Ce bouton-là ici. Ce bouton-là. On est entendu. Tiens. C'est lui là. Il veut absolument que je remplace ça. J'en ai des comme ça. Non. Je pense bien que celui-là va faire. Parce qu'il faut dessouder ça, là. Ces quatre pins là. Fait que on y met du flux. On va rajouter de la soudure pour commencer. Au lieu de l'enlever. Et voilà. Le bouton est enlevé. On nettoie ça. Et voilà. Tout a l'air d'être beau, en tout cas. Là, si on compare les deux, on s'entend-tu que ça se ressemble de beaucoup? Ben oui, c'est la même chose. Bon ben, on va avoir un beau bouton neuf. J'en reviens pas, le nombre de sirènes que j'ai atteint ici. Et voilà. On nettoie. Tiens. Ça ici, ça ici. Tiens. Fait qu'on va pouvoir réessayer ça. D'après moi, ça va fonctionner numéro 1. Bon, avant de finir de la remonter au complet, je vais l'essayer. Elle allume tout, c'est bon signe. On va aller. Fait que ça, ça marche. Ça, ça marche. Les deux en bas marchent. Ces deux-là fonctionnent. Fait que là, son bouton il est changé. Ça, 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 ça. Ça, ça. Je pèse dessus, ça marche. Oui. Des vibrations. On va voir tourner les moteurs dans la manette.
pour comment est-ce qu'elle va réagir. Ouais. Ça répond. Fait que tout est beau. On va remettre ça. Et voilà. Dernier test. Là, vous l'avez peut-être pas vu parce que j'avais changé, mais j'ai remonté au complet. Bon, on s'en va là, ici. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. En bas, les deux boutons. Et voilà. Tout est parfait, fait que... Merci!